et bienvenue au château de Flamanville. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc on peut pas filmer les différentes courses parce que donc c'est UCI. Donc on va essayer de mettre un maximum de photos. On a pris plein de photos, des petites vidéos. On va essayer. Et donc nous sommes le dimanche 16 janvier. Il fait la météo. Il fait un peu gris. Le soleil va arriver dans l'après-midi. On remercie la Manche Libre pour l'article fait sur notre projet qui a commencé en 2017. Donc n'hésitez pas à aller acheter la Manche Libre dans vos différents boulangeries, bureaux de tabac. Merci à Louis de la Manche Libre. Donc bon visionnage et puis bravo aux bénévoles pour toute la préparation du circuit. Donc bon visionnage pour la vidéo et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour conclure la journée.
Bonjour Lucas, peux-tu te présenter en quelques mots? Salut, alors je m'appelle Lucas Lesueur, je suis originaire de Normandie, à côté de Rouen. Et voilà, je pratique le cyclisme depuis l'âge de 12 ans. Alors revenons sur la Coupe du Monde à Flamanville. Comment ont été tes sensations? Bon, les sensations ont été très bonnes et la confiance aussi. Voilà, une semaine après mon titre de champion de France, j'étais extrêmement motivé de courir et le classement général aussi était une réelle motivation. Je pouvais finir deuxième et voilà, c'était juste un moment magique. Alors n'oublions pas que tu as terminé deuxième à Flamanville. Comment tu as trouvé le circuit? Bon, c'est un circuit que j'apprécie. J'ai eu la chance d'être champion de France en cadet il y a 2 ans sur ce même circuit. Donc voilà, un très beau tracé réalisé par Michael et toute son équipe. Et ouais, un tracé très dur physiquement, techniquement, avec le château, c'est ouais, très joli tracé. Donc parlons de Michael Lemardelet et toute son équipe. Aurais-tu quelques mots à leur dire? Bah, déjà un grand bravo, un grand merci. Voilà, organiser une Coupe du Monde en Normandie, c'est la première fois. De cyclocross, c'est la première fois. Donc ouais, c'est vraiment top pour la discipline et pour notre région. Donc ouais, un grand bravo et juste, on espère qu'ils vont continuer le plus longtemps possible et le plus loin possible. Donc maintenant, on va parler de ta vie personnelle. Donc combien de temps consacres-tu au vélo par semaine? Bah voilà, à l'heure actuelle, je m'entraîne entre, on va dire, des semaines les plus petites, ça peut être 8 heures, et les semaines les plus grosses, ça peut être 14-15 heures. D'accord. C'est pas trop compliqué de s'organiser entre l'école et le vélo? Ouais, c'est sûr que c'est pas simple. Voilà, je suis en terminale S, donc c'est quand même l'année la plus importante. Le but, oui, c'est aussi d'avoir mon bac. Et voilà, j'ai la chance d'avoir des horaires aménagés, et j'essaye de mener au mieux les deux. On a donc vu que tu allais participer au championnat du monde à Fayetteville, aux États-Unis. Comment tu te sens à quelques jours de la course? Est-ce que c'est la première fois que tu vas aux USA? Oui, déjà, première fois que je vais aux États-Unis. Voilà, ça va être un voyage très fatigant, donc va falloir avoir une très bonne gestion avec le décalage horaire, mais voilà, les sensations, elles sont bonnes. On l'a vu à Flamanville, et normalement, si on gère bien les sensations, elle devrait être identique et j'espère jouer le podium là-bas. Donc ton objectif, ça serait de jouer le podium aux États-Unis. Exactement. D'accord. Donc autrement, quelles sont tes prochaines courses? Qu'est-ce que tu vas faire après le championnat du monde? Alors la saison de cyclocross, elle a été riche. J'ai une vingtaine de cyclocross internationaux. Donc il sera l'heure de se reposer avec environ 2 semaines sans vélo. Et par la suite, un mois entier de préparation, dont un stage en Espagne avec la Conti Groupama FDJ. Et je reprendrai les courses sur route le 13 mars. D'accord. Et pour finir, combien as-tu de victoires? Car n'oublions pas que c'est la deuxième fois que tu es champion de France au niveau cyclocross. Donc, est-ce que tu peux nous dire le nombre de victoires que tu as chez les juniors? En cette saison cyclocross, ouais, je dois avoir 5 victoires, mais c'est sûr que j'ai jamais fait le cumul de toutes mes victoires depuis que j'ai commencé le vélo. Aussi, aurais-tu un petit message à nous faire passer à nous jeunes reporters? Eh ben ouais, je vous encourage et je vous félicite pour tous vos reportages et vos vidéos. Donc voilà, beaucoup de courage et de motivation à vous. Bah merci beaucoup. Merci, merci beaucoup pour l'interview. Bah pas de soucis, merci. Maintenant du départ. Bonne chance, the best of luck us. Merci, donc Nico, effectivement.
Quelques jours, comment est-ce que tu as vécu ces jours qui ont suivi? Je n'étais pas déçue, je savais que les gens devant moi étaient aussi vraiment fortes, pourquoi Périne et l'ETS. Donc pour les lignes des courses comme ça, pas mal avant quoi. Oui, c'est ça. Et alors, c'était quoi l'objectif aujourd'hui? Tu t'étais fixé J'avais envie de faire un top 10, après j'ai pris un bon départ et les écarts se sont faits directement. Après, je ne pense pas avoir eu encore les meilleures sensations, mais c'est comme ça. Sur la fin, tu as semblé perdre aussi quelques places, ça commence à devenir difficile. En fait, j'ai réussi à tenir les filles, après je suis tombée dans un virage et après, c'est Alicia, à un moment, elle m'a foncé dedans, elle est tombée, elle a cassé mon doigt de chaussure et j'avais plus de serrage, mais bon, après, c'est pas une excuse, mais. Toujours embêtant. Tu passes quand même tout près d'un top 10, t'avais déjà fait un top 10 au moins, c'est quand même satisfaisant. Ouais, c'est toujours satisfaisant, même si bon, le top 10. Les deux pour essayer de passer à un moment donné. Puck Peters gère bien les montées là quand même, les toutes dernières. Ouais, c'est vrai que la Puck Peters, psychologiquement, on l'avait vu un peu subir, elle fait des petites erreurs techniques et tout, mais là on dirait que voilà, elle a repris un petit peu du galon, comme on dit, et puis elle a vraiment envie d'essayer d'aller gagner cette première Coupe du Monde pour elle chez les élites. Et Van Empel est là, un peu passive, hein, dans son attitude, mais pour l'instant, voilà, ça attaque pas trop. C'est assez étonnant, hein, pour Van Empel, pour l'instant, ce qui se passe. Voilà, là, elles vont sortir dans ce petit dévers. À partir de là, elles tournent à droite. Et là après, voilà, actuellement, maintenant, là, elles commencent un faux plat. Est-ce que, voilà, là, elles vont sortir. Est-ce que Van Empel va accélérer là? Il y a une attaque ou pas? Eh ben non. Assez étonnant, ça se regarde encore. Ouais, c'est vraiment. Bah là, ça va jouer à pas grand chose aujourd'hui. Oh, ils sont vraiment en observation. Magnifique en tout cas. Guerre psychologique entre les deux. Ces deux espoirs, Femme Van Empel, Puck Peters, qui sont en tête depuis quasiment le début, hein, le départ, Arnaud, de la course également. Toutes les deux ont fait une magnifique course. Aujourd'hui, on rappelle que Femme Van Empel s'est imposée à Val d'Isolé chez les élites sur cette Coupe du Monde. Puck là, Peters n'a encore jamais gagné en Coupe du Monde. Attention pour ce mano à mano. Ah, là, on va arriver dans la dernière partie technique. Est-ce que Peters veut essayer de passer en tête pour toute cette portion technique? Là, elle sait où elle veut passer. Ouais, là, c'est vraiment. C'est un très beau spectacle. Elle est en train de nous faire, mais je suis assez étonné. J'aurais pensé que là, ça avait beaucoup plus bataillé. Elle est peut-être là sur la relance. Est-ce que, voilà, Van Empel va réussir à éclipser un petit peu plus tôt par rapport à Peters? C'est comment ça accélère? Non, elles ont éclipsé. Magnifique, ouais, toutes les deux, pour l'instant. Il n'y a pas trop de relance encore. Alors là, dans les petites bosses, ouais, ça accélère. Allez, vraiment légèrement pour Van Empel. Ah, tout va se faire vraiment dans le final. Je sens avec les pincettes, Arnaud, dans tout ce que vous dites. Prenez des pincettes pour chaque mot, quoi. C'est incroyable. Ah, c'est vraiment impressionnant. Allez, là, cette double montée. Là, pour l'instant, c'est bon, évidemment Van Empel qui est mieux placé. Est-ce que ça va passer? Peters, la vitesse.
Allez, faut bien ressortir à côté. Ça en même passe. Temps pour l'instant, elle est toujours en deuxième position. Puck Peters, Van Empel devant. Il y a un tout petit écart. Il va falloir recoller. On est vraiment dans le money time. Maintenant, la fin de cette manche de Coupe du Monde à Flamanville, manche française. Oh là 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 là. Allez, là, ça va se faire maintenant au sprint entre les deux. Allez, Peters qui repasse, qui passe en tête. Oh, c'est joli. Elle a raison de bien se prendre. Allez, la ligne droite, elle est longue. C'est un très long faux plat, mais c'est bien parti. C'est le sprint de Puck Peters. Pour l'instant, Puck Peters toujours en tête. Puck Peters qui continue d'appuyer très très fort sur les pédales. Attention, attention, Van Empel va passer. Van Empel, oh non, Van Empel est passé sur le sprint juste devant Puck Peters. Incroyable, bravo, FM Van Empel. Mais alors là, franchement, c'était un sprint de dingue. Entre les deux, Arnaud va quand même prendre le temps de débriefer tout ça. Blanca Vaz va terminer troisième de cette manche. Pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots ? Oui, du coup, Arthur Tropardi, donc j'ai 31 ans, je suis le gérant d'une entreprise de développement informatique et d'applications web, et je fais du vélo au VC Rouen depuis cette année. Ça fait environ 15 ans que je fais du vélo, j'ai commencé par le VTT, et ensuite je me suis mis à la route et au cyclocross, et maintenant je fais principalement du VTT et du cyclocross. Tu as donc terminé 24e à la Coupe du Monde à Flamanville. Comment as-tu trouvé le circuit et comment ont été tes sensations ? Le circuit de Flamanville, c'est vrai que pour un Normand, on a l'occasion déjà d'y être allé plusieurs fois ces dernières années. C'est vraiment un circuit très très sympa au milieu du château, dans un très beau cadre. Donc le circuit me convient plutôt assez bien. C'est un circuit roulant avec des portions techniques. Et mes sensations, elles étaient plutôt bonnes, hein, puisque je viens récupérer, je viens faire mon meilleur résultat sur une Coupe du Monde à Flamanville. Quel message peux-tu faire passer à Mickaël Lemardelet et toute ton équipe ? Un grand merci. Alors après, Mickaël, je le connais un petit peu, donc je lui ai déjà dit de vive voix. Et je le remercie lui, son équipe, et je les encourage vraiment à continuer ce qu'ils font. Ça aide le cyclocross normand à aller vers le haut. Et puis quand on voit la réussite de son organisation avec les conditions sanitaires auxquelles il a dû faire face, on peut leur tirer un grand chapeau. Et on espère que leur événement
événement prendra de l'ampleur encore pour les années à venir. Alors maintenant, j'ai posé d'autres questions autres que le cyclocross à Flamanville. Alors quel est ton programme au niveau des entraînements ? Là en fait, j'ai coupé moi depuis non pas la Coupe du Monde, mais depuis la Coupe de Normandie, j'ai coupé pour recharger les batteries et je reprends là doucement le vélo de route, le VTT. Et mes premières compétitions, ce sera début mars, donc ça me laisse un mois pour me remettre en condition. D'accord, et tu vas reprendre sur quelle course ? Je pense que je reprendrai sur la course UCI en VTT à Guéret, le premier week-end de mars. Et j'avoue que là, j'ai plus orienté mon programme de début de saison avec des courses de VTT. J'aurais bien aimé faire l'ouverture en Normandie sur la route à Saint-Hilaire, mais je pense que avec le nouveau circuit et le peu d'heures d'entraînement que j'aurai dans les jambes, c'est pas la peine de m'y aligner. Mais du coup, ce sera un début de programme plutôt VTT, ouais. Et pour finir, as-tu un message à nous faire passer, nous jeunes reporters ? C'est bien de se lancer dans du reportage. Ça permet de donner aussi de la visibilité sur des organisations et des événements comme celui de Flamanville ou comme tous ceux qui sont organisés dans le Cotentin ou même dans les régions alentours. Donc c'est bien ce que vous faites et il faut continuer. Merci beaucoup, Arthur. De rien. Leur souhaiter de bien dormir ce soir. Voilà, ils étaient en transmission exceptionnelle. Je pense à quelqu'un comme Alain. C'est quelqu'un de long, on le voit jamais, Alain. Il est là derrière, c'est lui qui va ranger les bananes le matin. Il est dans un stress énorme. Et je lui ai dit tout à l'heure, Alain, je te remercie parce que tu es mon premier supplétible. Si Alain n'est pas là, je ne peux pas être disponible. Et c'est moi qui suis dans le stress, c'est pour ça que, pour tout dire, grâce à eux, on peut le faire. Et puis toutes les équipes de bénévoles qui viennent se joindre à nous, qui ont compris que depuis les enseignants, on est un petit territoire, le Cotentin. Moi, j'ai du support, ça comme toi. On est des sudistes, toi. Ouais. Mais de toute façon, je pense qu'on est tout d'abord, comme je l'ai montré tout à l'heure, on est tout d'abord normand. Et je pense que la Normandie a le pouvoir d'être une grande région et en capacité d'organiser des grands événements comme les Coupes du Monde. Moi, je vais dire un petit merci à ton épouse qui t'entoure et qui fait. Ah oui, t'as pas voulu en parler, il faut dire que son épouse aime le vélo. Vous direz, c'est normal, elle vient de Belgique. Donc, il peut pas en être autrement. Allez, je crois qu'on peut les applaudir une dernière fois, tous les bénévoles. Nickel, bravo, bravo à toi, bravo. À sa fin. On remercie énormément toute l'organisation de la Coupe du Monde de cyclocross et merci aux bénévoles pour toute cette préparation. Bravo à tout le monde pour votre travail formidable pendant ces nombreux mois de préparation. Merci aux cyclistes d'avoir répondu présent à cette invitation à la Coupe du Monde. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. On se retrouve pour de nouvelles aventures dans quelques semaines, voire quelques mois. Et puis, salut !